Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test de Wolfenstein, The New Order, un grand hit, un grand blockbuster, une vraie passion pour ce jeu, c'est un monstre, c'est absolument un monstre. On va le voir dès les premières minutes, c'est immersion totale dans le jeu, je vous laisse, je vais arrêter de vous embêter, je vous parle plus, admirez. Dans mon rêve, je sens l'odeur du barbecue. J'entends des enfants. Un chien. J'aperçois quelqu'un. Enfin, je crois. Mais rien ne m'est destiné. J'avance sous les rugissements des moteurs. Nous sommes des guerriers venus de la nuit. Négatif, Vautour 1. On
Barrons la fait inverse à cause du roulis. Faut qu'on brise la formation et que vous nous fassiez de la place, Fergus. Affirmatif, Randall. Eh merde! Blasco, rentre au radar! Tire le levier là-haut, près des voyants lumineux! Merci, capitaine. Vous êtes dans un sale état, Condor 9. Je vois de la fumée. Fuite au niveau des gouvernails. Aileron frise à HS. Ouais, j'ai l'impression de piloter un frigo en béton. Merci, Condor 9, répondez, Condor 9. Merde, il transporte des troupes. Condor 9, répondez. Répondez, Condor 9. Ici, Condor 9. Qui c'est? Soldat Wayland, sans le lien aéroporté. Ok, mon gars, ouvrez bien vos oreilles. Bon, vous voyez le manche du pilote? Je le vois. Bien. Vous l'attrapiez fermement à deux mains et que vous le tiriez vers vous. Ne le tournez pas. Il doit rester droit. Tirez-le juste vers vous. Bien reçu. Je crois que ça fonctionne. On se stabilise. Ok, soldat Wyatt. Vous allez faire une dernière chose pour moi. Quoi? Postez un homme près de la porte latérale. Vous allez avoir de la visite. Bien reçu. Blaskovitch, ouvre la porte des cockpits. Capitaine ? C'est marche ou crève, soldat. Comme d'habitude. Bien dit, capitaine. Mon copilote est mort. J'ai pris du chasse-tête dans la jambe. Je pisse le sang. J'ai 71 soldats à bord. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Oh putain, je croyais plus. Oh merci. Retour, 3, 4, 8 et 9, abattus. C'est l'hécatombe. Faut annuler la mission. Blaskovitch, aidez-le à s'enlever. Négatif, Condor 9. Gardez le cap. Putain de merde, Gordon. C'est une vraie boucherie ici. Écoutez-moi, Fergus. Ça va aller. Cette mission échoue. On perd l'Europe. Merci. On n'a pas le choix. Merci beaucoup. Si vous n'arrêtez pas de coucher, tout est perdu. C'est notre dernière chance. Ouais, Gordon. Je vous reçois. Il faut que j'y aille. On approche de la base du boucher. Centre de contrôle terminé. Condor 9, terminé. Accroche-toi bien, Blasco. Tiens-toi prêt. L'impact va être brutal. Chiffre brutal. Nous sommes le 16 juillet 1946. C'est encore l'aube. Tout s'effondre autour de nous. La machine de guerre nazie avance à un rythme effroyable. On accumule le retard. Nos stratégies sont éculées. Nos armes dépassées. Personne ne sait pourquoi. Les gens commencent à désespérer. Pas moi. Je suis là pour voir un vieil ami et régler mes comptes. Je vais changer la donne. Fergus, où t'en es de ton côté? Blaskovitch, on est dans la merde jusqu'au cou ici. On est piégé à l'intérieur d'un avion pendant qu'un genre de cerbère blindé essaie de nous boulotter. Ouais, j'ai le même problème ici. Je suis coincé dans une épave. Tu vois par là-bas? Hé, Wyatt, allumez les lumières. Blasco, est-ce que tu la vois? Wyatt, essayez-moi ça vite.
D'accord. Je vous vois. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Impossible de l'atteindre d'ici. On est piégé dans cette boîte de conserve. Et toi, tu pourrais peut-être tuer ce cabot en utilisant la tourelle dans le cockpit de notre appareil. Il nous faudra au moins ça pour en venir à bout. Essaie d'y aller à la nage. Tant que tu gardes la tête sous l'eau, tout va bien se passer. Bonne stratégie, Fergus. J'arrive tout de suite. Calmez-vous un peu. Let's go. Bon, écoute. Il y a trois nids de mitrailleuses dans ces tranchées là-bas. L'unité peut pas avancer sans se faire étreper. Alors tu vas m'infiltrer ces tranchées et éliminer les tireurs. Tu vas devoir courir aussi vite que possible, droit dedans. Nous, on reste ici pour te couvrir. Compris. Ah, prends ce casque. Je te tiendrai informé depuis ma position. Ok, prêt à balancer les tirs de couverture ?
On se rapproche de la paroi de la falaise, juste en dessous de la base du boucher.
J'espère qu'on a une corde assez longue pour grimper jusqu'en haut. Yeah.
pas sur la paroi. On sera bientôt à la base. Retrouve-nous en haut. Hé, soldat Wyatt, j'avoue qu'on a une vue magnifique d'ici. Mais vous allez me faire le plaisir de vous bouger le cul et de monter cette putain de corde. Je vais vous aider. Soldat Wyatt, merci. Je suis sûr que vous me rendrez l'appareil, capitaine. Venez, je vais vous aider. Les gars, écoutez-moi bien. Notre petite mission suicide vient de se compliquer. Juste derrière nous, se trouve le pilier de l'armée allemande. Qui sort celui-là ? Soldat Gates, au rapport. Bien. Oui, vous alliez, bienvenue sur le front. Prenez ce soldat. Bon, ça fait des années que nos forces n'ont pas été aussi près du général Strasse. C'est une sale blessure, soldat. Soignez-la bien. On élimine le général, on enraye la machine de guerre des Bosch. Sinon, c'est eux qui vont nous bouffer. Bon, ça va, fiston? Non, j'ai les yeux qui piquent et je crois que je vais être malade. Est-ce que c'est normal? C'est les nerfs. Je vais t'apprendre un truc. Inspire. Compte jusqu'à 4. Expire. Compte jusqu'à 4. Et le tour. Et d'obéir à des putains de Frankenstein nazis mutants. Alors tout le monde est prêt? Cette fois-ci, on va faire le boulot jusqu'au bout. Bon allez, on se met en route. Allez! Eh ben, t'es fatigué ou quoi? C'est à la guerre, pas sur les bancs de la messe du dimanche. Allez, debout. Une bonne équipe. Comme un père et son fils. Capitaine Blazkowicz, Gat, Benson, votre mission est simple. Vous grimpez sur ce mur, vous entrez à l'intérieur et vous trouvez le poste de commande qui ouvre cette putain de porte. Vous prenez toutes les armes nazies que vous verrez. Elles sont bien meilleures que les nôtres. Nous, on reste ici pour vous couvrir. Ensuite, quand la porte sera ouverte, on rentrera. Et on vous rejoindra en haut, dans les étages supérieurs. On trouve le boucher et on lui éclate la tête. Vous me recevez? Sans vouloir vous mettre la pression, c'est sûrement notre dernière chance. Si on tue pas le boucher, tout est foutu. Allez, grimpez. Général, regardez le compte. L'un de nous va mourir aujourd'hui.
Au boulot, Blasco. La porte s'ouvre. On va pouvoir entrer. Continuez de monter. On vous rejoint là-haut. Contre-attaque.
Wofür sind Sie? Noch höchstens eine Handvoll Gegner. Ja, Herr Oberstgruppenführer. Ja, Sie sind in der Tat die Wand hinaufgeklettert. Come on,
capitaine. Bon, on se dirige vers l'épave de l'avion. Blaskovitz, tu nous y rejoins. En route, mon gars. Impossible de faire bouger cette poutre. On est coincé, Blaskovitz. Essaie de voir si tu peux la déplacer de ton côté. Vous pourriez peut-être utiliser ça pour la dégager. Dis-moi. D'accord. Croyant, frère des gars. Ou protestant. Vous allez devoir sauter, les gars. Vous d'abord, Wyatt. Tu vas à la messe le dimanche? Quoi, vous avez pas d'église en Angleterre? Pas de prêtre? Ouais. Eh ben, bon courage pour trouver une église qui tient encore debout en ce moment. Le Borg, le blondinet, à vous! À ton tour, Blaskovitz! Je te tiens! Ça devient ridicule! J'ai les pieds cassés! Où est-ce qu'on est? Il y a un paquet de sang! Hé, Wyatt, essayez d'ouvrir cette porte pendant ce temps-là! Vite! Vous voyez ces tuyaux? Ils sont reliés à ce boîtier de coffre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Je suppose que c'est un énorme incinérateur. Désolé, j'ai cru que c'était pour la porte! Allez, bouge à nous! Merde! Essayons ça! Allez! Désolé, je suis vraiment désolé! Qu'est-ce que c'est que ça? Blaskovitz! Hé! Vous avez dit... En position, les gars! Détruisez son respirateur artificiel! Respire encore. Affirmatif. Les incinérateurs sont éteints. Vous voyez comment ouvrir la porte? J'ai vraiment pas envie de moisir ici. On peut pas l'ouvrir de ce côté. Attendez. Je crois que j'entendais pas. Quelqu'un arrive. Oh. Oh. C'est pas vrai, c'est lui. Arrêtez.
je crois que notre on va s'en sortir. Gardez votre sang-froid, soldat. C'est la guerre. J'en meurs. Crevez dans la vie du tranchée. On a fait notre coup. Qu'est-ce qui compte? Il n'en reste aucune importance. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites ici, messieurs? Mes hommes morts au combat. Tellement d'hommes. J'ai perdu le compte. C'est une langue morte. Vous me dites quelque chose? Vous me plaisez. Vous êtes un spécimen coriace. Je pourrais faire de vous un soldat formidable. J'aime beaucoup ses yeux, à celui-là. Ne touchez pas, enfoiré! J'aime bien les feux. Pas les siens! Ils sont déjà abîmés! Quel mal! Aidez-moi à choisir. À votre avis, dites-moi, lequel de ces deux-là profitera le plus à mes recherches? J'ai peu de place pour prélever des échantillons. Si vous refusez de répondre, je vais devoir les opérer l'un après l'autre, et nous y passerons la journée. Un petit effort. C'est ça. Vous n'avez qu'à regarder en direction de ce que vous voulez que je dise. Allez, capitaine, choisissez pour moi. Vous êtes têtu, capitaine Blazkowicz. Une belle qualité. En ce qui me concerne, je suis extrêmement patient. Je me demande qui l'emportera. Votre obstination ou ma patience? C'est une tâche très simple. Regardez en direction de celui que vous voulez me laisser. J'attends votre choix. Vraiment, celui-ci. J'aurais plutôt choisi l'autre, mais je m'en remets à votre jugement. T'en fais pas, Blasco. C'est la guerre. Les gens meurent. Mon heure est venue. Le général Strass. Aujourd'hui, il m'a appris quelque chose. J'ai vu la souffrance, la mort, mutilation et torture. Je croyais avoir tout vu, mais je ne connaissais pas la vraie cruauté. Jusqu'à maintenant. Compte jusqu'à 4, inspire. Compte jusqu'à 4, expire. Oh!
capitaine. Il faut neutraliser les injecteurs de l'incinérateur. Il faut m'aider à les démolir. Viens-moi en aide. Embrassez ma fiancée sur la bouche. Ça va tout péter. Faut qu'on arrive à ouvrir cette fenêtre. Venez, je vais vous aider à vous libérer. Essayez de projeter la fenêtre. Przez 9 tygodni nikt go nie szukał? Nikt, panie doktorze, nie. Nie mogę usunąć odłamka. Tylko pogorszyłbym jego stan. Tak, panie doktorze. W takim razie trafi do zakładu psychiatrycznego. Nic nie możemy zrobić. Mózg jest uszkodzony. Tak. Ma jajecznicę z mózgu. Tak, panie doktorze. Jajecznica. Obudził się. Skąd wiesz? Zaufaj mi, mamo. Po prostu wie. Kochanie, twoja córka ma tajemnicze siły. To moja córka. Ja tylko daję tajemne słowo. Tato! Haben Sie noch Fragen? Zeichnen Sie! Wkrótce to wszystko się skończy. Zostawię cię teraz przy oknie. W świetle. Une sensation étrange, piégée dans mon propre corps. Je m'évanouis.
Je perds du temps. Parfois, on change de saison en un clin d'œil. J'ai du mal à réfléchir. Mes pensées se dispersent comme une odeur qui s'envole au vent. Mais je fais des progrès. Voilà ce que je sais. Je suis en Pologne. Un hôpital. Non, un asile. C'est l'infirmière en chef. Ça, c'est son père, le psy. Sa mère, une sorte de pharmacienne. Il dirige le centre. Parfois, il fête Noël ou des anniversaires. Parfois, des nazis viennent. Ils repartent avec des patients menottés. Le général Strasse se sert à volonté. Le psy fait des scènes, mais il finit toujours par signer. Pas le choix, j'imagine. J'assiste à tout ça, à l'impuissance de ces braves gens. Je suis en vie grâce à eux. Je me rétablis grâce à elle. Elle s'appelle Anya. Elle prend soin de moi. Elle veille sur tout le monde. C'est elle qui fait tourner le centre. Elle aurait dû être mariée, mais la vie en a voulu autrement. Wir schließen diese Einrichtung. Ihre Dienste werden nicht länger benötigt. War kein Grund, rührselig zu werden, Doktor. Sie haben zufriedenstellende Arbeit geleistet. Weitermachen. Was ihr vorgeht, die haben einen Offizier bei den Befehlen. Unsere Befehle lautet nicht, die Betreuer zu töten. Warum ist der hier? Keine Ahnung. Prince ist im Keller. Wir haben uns jetzt. Ja, Wahnsinn! Völlig die Dreckswampe. Où est-ce qu'ils t'ont emmené?